Des gens qui mangent pas leur compte. Tu l'as dit. Tiens, sans aller loin, aux Indes. Pareil d'après le journal qu'il y a 70 millions de sous-alimentés aux Indes. Si vous voyez ça. Et en Chine, tu crois qu'ils toléreraient ça en Chine? Ah, un bol de riz par jour, c'est tout ce qu'on leur donne. Moi, je vois bien que le riz, c'est nourrissant. Mais enfin, c'est jamais que du riz. C'est pas du jambon. C'est vraiment se foutre des Chinois, ce travail-là. Tu veux un petit bout de biscuit, ma belle? Hein? On met un biscuit. Non, mais t'entends ça? T'as plus faim? Eh ben. Et monsieur boit du vin bouché. Non, là, je vous jure, ça dépasse tout. Le clochard, maintenant, voilà que ça donne dans le chien de luxe et dans l'appellation contrôlée. Moi, ce genre-là, ça me les casse. Eh ben, moi, ce qui me les casse, c'est les faux affranchis. Les pétroleurs syndiqués, les anards inscrits à la sécurité sociale. Ça refait la Chine, ça prend la Bastille et ça se prostitue dans des boulots d'esclaves. Ah, ils sont bons, les réformateurs du monde. Le statisticien qui bagnole un placard d'usurier, le shintok qui propage les lances tropicales, et le mange-merde qui prône la gastronomie. Ah, il est mimi, le triumvirat, un beau sujet de pendule. Allez, viens, ma belle, qu'on foute le camp, qu'on voit plus ces affreux.